Bon, là, on va voir une chanson de Sardou, La dernière danse. Alors, attention, là, c'est la version. Alors, attendez. La version de 2007. Et j'ai repéré deux autres versions dans d'autres tonalités. Donc, ça ne démarrera pas par un sol, ça démarrera par un fa ou un autre. Bon, là, c'est la version 2007 en sol. Alors, particularité. Oui, alors là, on fait première ligne, deuxième ligne, première fois, on fait tout ça, jusque-là, la reprise. On reprend là, première ligne, et là, on s'arrête ici, on passe directement à la deuxième fois. Mais on fait 4 fois 5. On fait ça jusqu'au break, et après, on passe en la bémol. C'est-à-dire, on fait la même chose, mais on monte d'une case. Sol, la bémol. Après, là, il y a une reprise ici. Et à la fin, on termine là-dessus sur la dernière ligne plusieurs fois. Donc, ah putain, c'est pas. Tac. Voilà. Sinon, les accords, mais il n'y a rien de compliqué. Sol. Parler des harmoniques aussi là. Alors, pour accorder la guitare, moi je prends les harmoniques. Hein. Donc, 12e case, mais au niveau de la barrette supérieure. Et au niveau de la 7e. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez joué, vous lâchez le doigt et vous pouvez triturer. Vous entendez la vibration? C'est là-dessus qu'on se base pour accorder les pianos, la vibration. Les accords, donc sol, si mineur, et mineur, si, rien de spécial. Très bon. J'aimerais que pour ma dernière danse, si mineur, l'orchestre joue de préférence la chanson qui nous a réunis. C'était une chanson en anglais. Si mineur. Je me souviens de ce qu'elle disait. Do. L'histoire d'un homme, d'une vie. C'est vrai que pour ma dernière danse, mes amours s'éclatent en silence. Sol. Pour laisser passer mes amis. Ré. Mi mineur, ceux qui ont marché avec moi, les absents, si mineur, et ceux qui sont là, troisième ligne, une poignée d'hommes, une vie. Je reprends les buts. J'aimerais que ta salle soit éclairée au chandelier à la bougie, qu'il y ait des femmes sophistiquées comme on en trouve en Italie. On passe à la deuxième fois. J'aimerais que pour ma dernière danse, ma première danse avance, et que nous ayons 15 ans tous les deux. Troisième fois.
Et après on passe quatrième ligne. Ça soit un la bémol. J'ai dû me tromper. Alors, on va vérifier tout de suite. Je vais pas recommencer la vidéo. Je crois qu'on est ici. Hein. Non, en vrai, que pour ma la bémol. Do mineur. Ré bémol. La chanson qui nous a réunis. La bémol. Mi bémol. Fa mineur. C'était une chanson en anglais, je me souviens de ce qu'elle disait. Ré bémol. C'est bien ça. J'ai oublié de mettre un bémol. On va corriger tout de suite. La bémol. Voilà. Alors, je vous ai fait voir pour l'accordage. Je voulais vous faire voir aussi pour les renversements. Mi, la tierce, c'est le sol dièse qui fait le majeur et le sol mineur. Majeur, mineur. Majeur. Ça, c'est comme une forme de ré mineur. Hein. Sinon, mi, forme de mi. Mi, forme de mi. Au-dessus, c'est la forme de ré. Comme ça, là. Au-dessus, c'est la forme de do. Au-dessus, la forme de la. Si on prend un la forme de mi, ici, là. En dessous, c'est forme de sol. Et en dessous, c'est forme de la. Forme de mi, forme de ré, et forme de do. On retrouve ça pour tous les accords, majeur, mineur. Et les mineurs, c'est pas forcément facile. Par exemple, le sol, pour le faire mineur, mineur. Il faudrait faire un si bémol. On peut pas, donc... Celui-là, on le fait pas. Hein.
revenir à ça. Donc, la dernière danse, si je le mettais correctement. Donc ici, c'est bien à la bémol. Hein. Oula, même ça, c'est ma feuille. Il y a un la bémol. La bémol. Alors, une fille aux yeux clairs que j'ai réécrit parce que c'était pas clair. J'avais repassé avec un autre feutre et bon voilà, là c'est plus clair. Il y a trois parties, en mi mineur, en fa et en fa dièse. C'est donc pas très compliqué, c'est un peu long. Mais magnifique cette chanson. Ouais, je vais peut-être la laisser. Magnifique chanson. La maison près de la fontaine, j'ai retrouvé la feuille. Donc là, je pense que c'est plus clair en français. J'ai mis une feuille vierge pour ceux qui veulent recopier des fois, soit en français, soit en américain. Là, c'est les gammes où les accords sont basés sur les gammes. Bon, je ne vais pas réexpliquer à chaque fois. Ça, c'est comment on fait les accords. C'est expliqué au bout là-bas. Les accords de base. Mi, la, les cinq accords de base. Do, sol. Et ré, avec les formes d'accords. Là, c'est T, Do, c'est la tonique, Q, c'est la quinte, c'est la cinquième note, Do, c'est la première note, et tierce, c'est la troisième note de la gamme. C'est ça qu'on descend d'une case pour faire le mineur. Là, c'est différents accords de Do, avec ici les notes qu'on prend pour rajouter, pour... Là, c'est les renversements. C'est simplement la basse qui change. Je fais pour les accords simples. Là, c'est les gammes de blues dans différentes formes. Pour la gamme de... La gamme de mi. C'est la gamme de mi, ça. Hein, dans différentes formes. Là, les cinq formes. On le retrouve pour les... tous les accords. Là, l'aigle noir en français. Je l'avais fait en lettres. Mais c'est la même chose. Je pense que je vais la refaire. Champs-Élysées que j'ai passé il n'y a pas longtemps. Alors, les renversements ne sont pas obligatoires, mais c'est un plus. Parce que ça va un petit peu vite, mais ça fait ça permet de faire les basses comme dans la chanson. Quoi. C'est un plus, quoi. Alors après, les chansons que je vais faire bientôt, là, ce jour-ci. Salut de Sardou. Dis-moi. Un petit peu de Barbara aussi. Si ça là en bleu ça on voit pas bien hein. Mauvais homme, très belle chanson aussi. Un accident Pedro que j'ai fait tout à l'heure. Voilà.